Bon, Maxime, tu nous parles un peu de ta BMW, parce que là, on a deux voitures banales, là, mais... Alors, une magnifique BMW série 7 E32 de 1991. C'était pour concurrencer un peu les Mercedes de l'époque. Ils avaient sorti ce modèle en 87 jusqu'à 92, donc c'est une dernière série. Le but, c'était de faire un véhicule haut de gamme. Il y avait une panoplie de moteurs dedans, il y avait un 3 litres, là-dedans c'est un 3,5 litres M30, c'est le bloc le plus produit de chez BMW, ou à peu près le plus produit. C'est quoi que t'appelles, pour les gens qui ne connaissent pas trop, ça veut dire quoi M30? M30 c'est le code moteur d'usine. D'accord. M30 B35 si je ne dis pas de bêtises, donc il a été produit pendant presque 30 ans. Ils ont en plusieurs déclinaisons, atmosphérique, turbo compressé, c'est la base bloc moteur des M1 posée ce matin. Et puis ensuite, il y avait aussi un petit 3 litres V8 qu'on pouvait avoir, puis après le fameux V12 BMW 5 litres. Voilà, et toi donc c'est le 3 litres? Là c'est le 3 litres 5. 3 litres 5 V6. Non, pas de V6 chez BMW, ça qui neige. En ligne, voilà. Oh, c'est le simple. Donc, un problème là. Tu vas t'en reprendre une là aujourd'hui. Et il a déjà sorti l'écrou. Alors, tu vois. Et puis donc il est en simple, donc en 12 soupapes. Après, ils l'ont fait vraiment en plusieurs déclinaisons. C'est un moteur qui était fait pour tourner à des régimes de rotation élevés très longtemps. Donc, tempomat, piste de gauche, autoroute 200. D'accord. Garde Bernin, c'était un peu ça l'idée. Et les jantes, c'est des origines de Non, il n'y a pas le budget. C'est des magnifiques copies japonaises que tout le monde connaît, que tu payes ça pas cher, mais ça fait le taf. D'accord. Et après, elles ont un déport un peu spécifique. Donc, on retrouvait d'origine, enfin, adaptable, ça coûte une fortune. Oui, oui. Donc là, on a remis ça, c'était avoir un peu un look d'époque. C'est ça qui est vraiment sympa au niveau look. Voilà, exactement. Il y avait ces petits liserés, les sorties de carrosserie, donc on les a enlevés, on les a conservés. C'était le premier propriétaire qui avait fait ça. Ah, oui. On tenait aussi un ami qui est fou de BMW, qui a un garage. Il l'a vendu il y a une année et demie. Puis moi, je suis en train de finir de la remettre en état. Il y a encore 2-3 petits détails. Comme d'accord. Ça, on va encore à faire. Et puis, c'est un véhicule qui a une trentaine d'années, mais c'est déjà extrêmement moderne pour l'époque. Il y a énormément d'électronique dedans, même si c'est un véhicule qui a plus de 30 ans. Donc, il y a plein de petits détails, avec un ordinateur de bord, des petits détails, voilà. Il te manque du lave-glace, ça te l'indique, t'as une ampoule de phare. Ça te l'indique, tu mets la marche arrière, t'as les rétroviseurs. Comme tu disais tout à l'heure, c'était vraiment le haut de gamme à l'époque. C'était vraiment hein. Le haut de gamme. Voilà. Ils ont fait une sacrée mise au point dessus, donc il y a vraiment énormément d'électronique comparé à un véhicule qu'on peut avoir dans d'autres marques contre un ouais. C'était vraiment pour concurrencer les Mercedes d'époque. Et puis à l'époque, Mercedes, ils ont fait erreur, ils ont sorti ça, ils n'avaient pas de V12, et puis BMW, mais ils ont sorti un V12, c'était vraiment pour concurrencer les Mercedes. La S de l'époque. D'accord. Elle existait aussi avec un empattement plus long. D'accord. 750L. Les V12 en plus long, exactement. On les reconnaît bien avec la portière plus longue, c'est juste assez. Ouais, exactement. Bêtise, hein. C'est vraiment l'empattement. Oui, oui. Je peux plus dire exactement l'empattement qui est en plus. Et puis après, ils avaient aussi les versions haut de gamme individuelles chez BMW où tu avais vraiment un luxe, tu avais un frigo. Tu avais donc 4 places, donc 2 places voilà. Arrière. Et le frigo au milieu. Le frigo au milieu, il y avait une tapis d'options, tu avais télé à l'intérieur, il y avait. Là-dessus, c'est la dernière, tu as tout électrique, tu as les sièges électriques, tu as les appuis-têtes électriques, énormément de choses. Oui, oui. Et puis, alors, voilà. Elle est bien équipée. Options, hein. Voilà, enfin, vous verrez les amis sur la vidéo, elle a vraiment de la gueule, cette bagnole. Quoi. C'est vraiment sympa. Quoi. En tout cas, je te remercie, hein, Maxime, hein, pour ce petit tour en BM. Et puis, vous remarquez qu'on a deux membres votre sens qui sont venus nous rejoindre avec une BMW E30
V12. Et puis une fourche 4 cylindres. C'est juste. Oui, 4 cylindres. Il est habitué pendant quelques années à des 4 cylindres, Christophe. Exactement. En tout cas, merci infiniment, Maxime, merci pour ce dimanche. Et puis, vous verrez, on va faire une petite vidéo aussi avec les trois voitures en allant boire le café. Bon dimanche à tout le monde. Salut, Maxime. Bye, merci à salut, toi. Christophe. Salut, Florent.